La vie est comme le ciel. Même si aucun de ces moments ne sont identiques, il y a toujours une répétition. Un cercle inévitable qui continue de la naissance jusqu'à la mort. J'en ai marre d'être une partie insignifiante de ce cercle. Froid. Je n'avais jamais eu tellement froid. D'abord, je regardais la terre, puis le ciel. Peut-être pour la dernière fois. De retour à la maison, sur le bateau mouche, partout, battant leurs ailes comme s'ils battaient le ciel, une centaine d'oiseaux criaient comme s'ils déclaraient leur liberté. J'ai voulu les rejoindre, monter jusqu'au ciel et crier tous mes troubles. Depuis longtemps, je n'arrive plus à faire la différence entre le rêve et la réalité. J'erre entre de grands bâtiments, j'en choisis un et je monte sur son toit. Je regarde au-dessous et je rejoins les pierres du trottoir. C'est comme si je flottais dans l'air au lieu de tomber. Le ciel s'éclaire pour moi, cependant mon corps misérable est encore dans l'obscurité. Je n'avais pas été aussi paisible depuis longtemps. Mes pas se dépêchent vers un futur brillant et un nouveau monde. J'ai peur. Je me réveille. Voilà donc maintenant, ici, malgré tout cela, j'hésite. Mais pourquoi ? Je me souviens du dernier jour où j'étais heureux. La voix de ma mère. Aussi bien que son corps que j'ai trouvé sur le balcon le lendemain. Je me souviens de ma destruction. Mon enfance, mes souvenirs, l'ancienne couleur du soleil, mes espoirs qui se sont envolés, les jours qu'on a passés au parc avec ma mère, mes salutations en parodie avec un avion, ma haine, ma rage qui a augmenté de plus en plus, mes révoltes, mes renonciations. Je m'en souviens. Et alors, ce que je pense faire compte-t-il aussi comme une renonciation? Je ne veux pas me conformer au monde. D'ailleurs, je doute que je puisse le faire. Dans l'obscurité, les réverbères, la lumière des magasins et des maisons ont pris la place de la lune, des étoiles, des bateaux immenses sur la mer. Des millions de gens chaque jour gris, tristes, sur des chemins en béton. Une foule de gens qui vivent chacun dans leur solitude à eux. Des bâtiments atroces qui se mélangent avec les nuages, grandissent comme s'ils voulaient atteindre le ciel intact. Les forêts entre les maisons, les montagnes entre les gratte-ciels sont devenues invisibles. Je me suis cherché un endroit pendant des jours pour m'enfuir. Je me sens plus seul, plus désespéré ici, entre des milliards de gens. J'essaie de me trouver une sortie, je n'y arrive pas. J'aurais tellement souhaité avoir le pouvoir de changer tout cela, pouvoir m'attacher à quelque chose au lieu de m'enfuir. J'ai cherché, partout. J'ai cherché dans tout ce qu'ils ont appelé miracle, réflexion de Dieu. Dieu, la vie est seulement un petit morceau de notre existence, le début. Il me défie avec quoi et pourquoi? Ma croyance, ma patience, mon âme, ma puissance. Est-ce que je dois croire en son existence pour contrôler tout cela, au livre sacré et au paradis qu'on nous promet? Et si ce n'est pas vrai? Et si mon existence ne consiste qu'en cette façon de vivre misérable? Je me sens souvent comme un insecte. Un insecte qui attend d'être écrasé entre des géants voraces. Coincé sous les pieds des gens qui sont bons seulement pour eux-mêmes. Je regarde tout le monde et tout ce qui est autour de moi dessous. Je les vois, mais je ne suis pas vu. Pourquoi est-ce que j'hésite tellement? Si je sais que rien de bon ne m'attend dans l'avenir, pourquoi choisir de rester vivant? Savoir que je ne connaîtrai plus jamais une nouvelle personne, que je n'irai plus jamais à une fête, que je ne danserai plus jamais, que je ne chanterai plus jamais jusqu'à ce que je perde ma voix, que je n'essayerai plus jamais un nouveau plat, que je ne verrai plus pour la première fois un endroit que je n'ai jamais vu,
que je ne courrai plus jamais, que je ne nagerai plus jamais, que je n'aimerai plus jamais, qu'on ne m'aimera plus jamais. Les choses que j'ai faites sans me rendre compte qu'elles étaient mes dernières fois viennent dans mon esprit. Rire, pleurer, dormir, se réveiller, s'embrasser, parler avec quelqu'un, prendre le métro, lire le journal, boire du thé, se laver, se raser. Les visages de mes amis que je ne réveillerai plus jamais viennent devant mes yeux. Les endroits où je ne remettrai pas mes pieds. Bientôt ce sera ma dernière gorgée, mon dernier clin d'œil, mon dernier souffle. Est-ce que je veux vraiment abandonner tout cela? Peut-être que ce sont des raisons suffisantes pour s'accrocher à la vie. Mes proches seront informés et ils seront tristes pour une durée courte. Ils auront de la pitié pour moi. La foule de gens que je ne connais pas pour la plupart feront mes funérailles en disant des prières que je ne connais même pas. C'est fini. L'image qui n'échappe pas à mes yeux depuis des jours, des mois, réapparaît. Ceux qui essayent de me sauver de ce monde obscur, de me tirer vers la paix au-delà du brouillard, de la brume. Ils s'approchent de plus en plus, il me semble, ou je m'approche d'eux. Chaud. Mes mains sont baignées de sueur. Je prends un souffle profond. Comme d'habitude, je regarde d'abord la terre, puis le ciel, et je ferme les yeux.